Bienvenue dans cette troisième vidéo de FabQB.com. Dans la vidéo 1, tu as découvert la base du jeu pour que tu puisses commencer à apprécier de voir ce sport à la télé. Dans la vidéo 2, tu as appris les règles très importantes, les 4 downs, pour que tu puisses sauter de joie pendant que tu regardes un match. Dans cette vidéo, tu vas découvrir en niveau plus excitant le jeu de l'esprit. Jusqu'à maintenant, on a simplement parlé des équipes qui avancent ou qui reculent. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'elles gagnent ou perdent ce terrain. L'attaque, l'équipe qui a la balle, doit trouver un moyen d'avancer, et la défense doit l'arrêter. Il semble qu'on a juste besoin d'être athlétique, puissant, rapide ou agile pour avoir du succès. En réalité, c'est pas suffisant. L'athlétisme apparent cache ce fameux jeu de l'esprit, un jeu de cache-cache. Il y a un jeu dans le jeu. Cette vidéo va te faire découvrir cet aspect caché du sport. As-tu remarqué sur la touche à quel point il y a du monde? Que font tous ces hommes sur le bord du terrain? La plupart sont des joueurs qui attendent de remplacer d'autres joueurs. Mais regarde ce groupe. Ils ne vont pas jouer dans leurs pantalons de ville. Ils sont des coachs de position. Pour chaque groupe de joueurs, il y a un coach sur la touche qui regarde seulement ce groupe de joueurs. Par exemple, le coach des running backs regarde chaque fait et geste des running backs. En plus, chaque coach de position a un chef. Le coordinateur de l'attaque est le chef de tous les coachs de position d'attaque. Et le coordinateur de la défense s'occupe des coachs de défense. Pour finir, le head coach est l'entraîneur qui a le dernier mot et qui a la responsabilité de toute l'équipe. C'est tout bon d'avoir tous ces entraîneurs, mais pour quelles raisons sont-ils nécessaires? Ici, nous voyons le coordinateur d'attaque qui envoie un code au quarterback. Ensuite, le quarterback regarde à quelle stratégie ce code correspond et ensuite l'annonce à tout le monde dans le huddle. La stratégie assigne à chaque joueur un job très spécifique. Si un des 11 joueurs ne fait pas son job, alors l'effort de toute l'équipe est ruiné. La défense, au contraire, a aucune idée de ce que l'attaque va faire et ceci est la base du jeu dans le jeu. Il y a une équipe qui cache ses intentions pendant que l'autre doit bien réagir ou deviner pour avoir du succès. Voici un exemple où un joueur qui ne fait pas son job fait capoter l'effort de toute l'équipe. Bon, c'est clair que c'est aussi une très bonne anticipation et effort par la défense. Voyons ce jeu encore une fois. Vois-tu les deux défenseurs là et le receveur? La clé est que le receveur ne sait pas qui bloquer et finit par ne bloquer personne. Voyons une stratégie qui a fonctionné et que chaque joueur a bien exécuté. Bon, maintenant, jetons un œil sur la stratégie de ce sport plus en détail. Tu te souviens des linemen, running backs, quarterbacks, wide receivers et de la défense. Des linemen, linebackers, safeties et cornerbacks. Voici un exemple d'un jeu. L'entraîneur décide un job pour chaque joueur. Les lignes rouges et vertes sont le chemin que chaque joueur doit suivre. Peux-tu deviner quel type d'action ceci est? Oui, tu as raison. Ce sera un running back qui va recevoir la balle des mains du quarterback et va courir aussi loin que possible. Tu vois que chaque joueur a un job de bloquer un défenseur pour aider le coureur dans sa progression. Les équipes excellentes doivent avoir de bons joueurs à chaque position. Elles ne peuvent pas être portées par un seul bon joueur. Tu vois qu'ici l'attaque va faire un run, beaucoup de joueurs lourds, proches de la ligne, deux tight ends et juste un wide receiver. Il semble que le jeu sera dirigé vers la gauche, le côté fort où il y a les tight ends. Mais regarde juste avant que la balle soit engagée, un des tight ends se déplace vers la droite. La défense a aussi senti que quelque chose se prépare et met ses joueurs proches de la ligne pour arrêter ce jeu. Il y a vraiment un mur vert qui sera difficile à franchir. Il semble que ça sera impossible à le traverser. Passez vite, voyons ce qui se passe. La clé est le guard de gauche, qui ne va pas aller droit devant lui pour arrêter un défenseur qui est de toute façon loin de l'action. Il se déplace de côté et sprint à l'endroit où il sera le plus utile. On appelle ce genre d'action un pulling guard. Le mur vert maintenant fait face à une armada blanche qui déferle avec ses gros bras. Bien joué, l'action a permis à l'attaque de gagner 10 yards. Les défenseurs ne vont pas juste rester sans bouger.
La défense aussi a des stratégies pour cacher ses intentions. Ici, tu reconnais les joueurs. Quarterback, running back, line, linebackers. Ok, on va parler d'eux maintenant. La défense peut réserver des surprises dans les actions de passe. Elle peut influencer le résultat de l'action de deux manières. Première manière, pression sur le quarterback pour ne pas lui laisser suffisamment de temps pour trouver un receveur. Analysons ce qui se passe du côté de la défense. Ils sont alignés normalement. Regarde d'abord sur les côtés de la ligne. Les linemen se livrent en combat de gladiateurs. Il n'y a pas beaucoup de stratégie, mais beaucoup de muscles et d'agilité. Ici, les tackles de l'attaque ont gagné leur confrontation. Voyons ce jeu encore une fois, mais cette fois, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. La défense a 3 linemen, l'attaque en a 5. Alors la loi des nombres ne donne pas un avantage à la défense. Le coach de la défense envoie les linebackers à la rescousse. En plus, ils ne vont pas venir simplement tout droit comme des bobos. Ils vont essayer de faire régner la confusion au sein de l'attaque. Regarde. Tu as vu? Ils se sont croisés. Si l'attaque les attend avec marquage à la culotte, alors la défense gagne les doigts dans le nez. Ici, ils ont gagné leur pari. Regarde, un linebacker a réussi à passer l'obstacle de la ligne. Alors il y a un chemin ouvert pour le QB. Passez vite mon ami, car l'attaque a décidé de ne pas envoyer son running back pour attraper la balle. Alors le QB est sauvé par le numéro 30. Attends, il y a encore quelque chose à dire à propos de ce play. Tu te souviens que les deux linebackers intérieurs ont été envoyés pour mettre la pression sur le QB? Ceci laisse une zone très vulnérable au milieu du terrain que le QB peut utiliser à sa guise pour un gain très facile. Alors le coach defense y a pensé et envoie son outside linebacker directement dans cette zone au cas où le QB a envie de narguer la défense. Tu veux voir un jeu où la défense a pu prendre l'attaque en défaut? Tu vois tous ces défenseurs sur la ligne? Tous les linemen d'offense sont occupés à choisir qui bloquer. C'est 3e et 13. Alors il y a une grande chance que ce sera une passe pour avoir un first down. Voyons ce que la défense a réservé. Oui, tu le vois déjà. Personne ne bloque ce joueur et il y a une autoroute pour aller cueillir le quarterback et cette fois pas de running back pour le sauver. Ceci conclut cette 3e vidéo qui a couvert l'aspect du jeu dans le jeu du football américain. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer à parler de la stratégie car on n'a encore rien vu. En attendant, n'hésite pas à visiter fabqb.com car le monde doit savoir.